bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye le Citroën C3 Aircross qui, un peu plus de 2 ans après sa sortie, fait toujours partie des voitures les plus vendues en France, toutes catégories confondues, et il ne doit pas son succès au hasard. Dans cet essai, je vais vous présenter ses spécificités extérieures. Ensuite, je passerai à l'intérieur de la voiture. Je vous expliquerai comment vous pouvez louer cette voiture pour seulement 230 euros par mois sans apport. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h. Je vous présente un essai détaillé. Donc, abonnez-vous, activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Je présente maintenant aussi des formations certifiantes pour les vendeurs automobiles. Je vous mets le lien en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Maintenant, place à l'essai. Je vous dis à tout de suite. La catégorie de voiture la plus vendue en France après celle des citadines, c'est celle des SUV compacts, dont fait partie le Citroën C3 Aircross que j'essaye aujourd'hui. Ses concurrents directs sont le Renault Captur, le Peugeot 2008, qui font partie des stars des ventes en France en 2019, toutes catégories confondues, puisqu'ils se sont vendus à respectivement 64 000 et 59 000 unités l'année dernière. Quant au Citroën C3 Aircross, il est relégué à la 12e place, avec tout de même près de 47 000 unités vendues. Alors c'est bien parce qu'il est sorti en 2017, ses concurrents directs, eux, sont sortis 2 ans après, en 2019. Si le monospace survit à l'étage compact ou familial, le SUV l'a clairement condamné chez les modèles citadins. C'est le cas chez Renault avec le Modus qui s'est fait éclipser par le Renault Captur, et c'est le cas aussi chez Citroën avec le C3 Picasso qui s'est fait éclipser par l'arrivée du nouveau Citroën C3 Aircross. L'engouement pour le SUV est bien là et ne semble pas être un effet de mode, mais il semble véritablement répondre à un besoin des automobilistes. Dernier point à noter, je tenais aussi à saluer l'audace de Citroën à proposer un modèle de série très proche esthétiquement du concept car Citroën C-Aircross qui a été présenté au Salon de Genève en mars 2017. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Première chose à noter, c'est ce capot à la fois court et haut qui reprend quasi le même design qu'on retrouve sur le nouveau Peugeot 2008. Et ce n'est pas une coïncidence car le designer qui s'est occupé de dessiner ces deux voitures est le même. Il s'agit de Pierre Autier qui a d'ailleurs déjà fait beaucoup de modèles chez PSA. Autre élément qui accentue cette impression de robustesse sur la face avant, c'est la présence de cette nouvelle signature lumineuse à LED dans le prolongement de ce chevron chromé. Je trouve ça assez joli. Et juste en dessous, on a ces feux anti-brouillard assez massifs qui marquent la nouvelle signature graphique de chez Citroën avec ses optiques à double étage. En parlant du feu anti-brouillard, si votre voiture est équipée de l'éclairage d'intersection, sachez que l'optique située juste ici va en fait pivoter dans l'intérieur du virage pour éclairer l'intérieur du virage lorsque vous évoluez sur des routes avec très peu de luminosité. Ça, c'est un bon point. Et pour finir sur l'avant, sachez que les sabots de protection sont présents sur le pare-choc avant, mais aussi à l'arrière de la voiture. Les jantes ont une taille qui varie de 16 à 17 pouces selon le niveau de finition que vous choisirez. Sur notre modèle d'essai, on n'a pas de jantes, on a des enjoliveurs, mais qui sont tellement bien faits qu'on pourrait presque se faire avoir. Sur les rétroviseurs, ils ont un répétiteur de clignotant, ils sont en noir brillant, tout comme les barres de toit, et ça c'est livré de série. Vous pouvez en option avoir un toit biton pour 400 euros. Comme sur le concept C-Aircross qui a été présenté au Salon de Genève en 2017, sur les vitres de custode arrière qui sont réalisées en polycarbonate, vous pourrez ajouter un film coloré. Ça va créer un contraste graphique fort sur la voiture et lui donner un côté assez fun, je trouve. On ne retrouve plus les air bumps. Vous savez, les air bumps, ce sont les grosses protections en plastique qui étaient présentes sur les Citroën C4 Cactus. Je trouve ça pas mal justement qu'elle soit plus présente. Sur les teintes de carrosserie, il y en a 8. Il faut savoir que les teintes de carrosserie métallisées sont facturées 550 euros
par Citroën et sur le réservoir d'essence. Alors il n'est pas situé du côté droit mais du côté gauche. Il a une contenance de 45 litres, c'est 5 litres de moins que l'ancienne génération. Et si vous avez une version diesel, vous aurez un réservoir AdBlue de 17 litres de contenance. Alors cette diminution de la taille du réservoir, j'ai l'impression que ça a l'air d'être assez à la mode chez PSA, puisque je vous le rappelle, j'en avais parlé dans mon essai du Peugeot 2008, le nouveau, qui perd lui aussi 5 litres de contenance avec la nouvelle génération qui a été lancée en 2019. Sous le capot, un moteur 3 cylindres essence de 1,2 litre de cylindrée qui développe 110 chevaux pour 205 Nm de couple. Des performances assez bonnes, puisqu'il fait le 0 à 100 km/h en 10,1 secondes et une vitesse de pointe de 190 km/h. Il y a deux versions essence, une de 110 que j'essaie aujourd'hui et une de 130 chevaux, et sur les versions diesel, deux moteurs aussi, un de 100 chevaux et un autre de 120 chevaux. Deux boîtes de vitesse sont proposées, vous avez des boîtes de vitesse mécanique et une boîte de vitesse automatique sur certaines motorisations seulement. Sur la consommation, elle est donnée en mixte à 4,8 litres au 100 km sur cette motorisation essence de 110 chevaux. Nous, on a constaté sur 880 km d'essai une consommation moyenne de 6,2 litres au 100 km. Sur l'arrière, les épaules marquées accentuent la largeur et le caractère musclé de ce SUV. Concernant les feux arrière à effet 3D sont identiques à ceux qu'on retrouve sur la Citroën C3 ou encore le concept CR-Cross dont cette voiture est issue. Il faut savoir qu'à partir de la finition Shine, vous aurez la lunette arrière et les vitres latérales arrière qui seront surteintées. Si vous optez pour le Pack City Camera Plus, c'est une aide au stationnement à l'avant de la voiture et aussi à l'arrière, vous aurez une caméra avec une vue aérienne qui va en fait modéliser tout ce qui se passe derrière votre voiture. Et ça, c'est très pratique si vous souhaitez exactement savoir ce qu'il y a derrière vous. Et enfin, pour finir, le sabot de protection, tout comme à l'avant, est présent à l'arrière avec cette couleur gris anthracite. Dans cette configuration, vous aurez 410 litres d'espace dans le coffre. Et si vous baissez la banquette arrière, vous pourrez avoir jusqu'à 1289 litres d'espace dans votre C3 Aircross. Alors c'est pas mal, mais toujours moins bien que son concurrent direct, qui est le Peugeot 2008. Alors, les bons points dans cette voiture. Ça commence déjà par un seuil de chargement assez bas dans le coffre, donc ça c'est pratique quand vous souhaitez charger votre coffre. On a aussi un plancher de coffre double hauteur, donc là je suis en position basse par exemple. Je vais me mettre en position haute. Regardez, c'est super simple, vous n'avez qu'à faire ça, et là vous augmentez la hauteur du seuil de chargement. Autre élément aussi, vous avez la tablette cache bagage qui est escamotable et que vous pourrez enfin ranger. Donc ça, on se demande toujours où la ranger, mais Citroën a trouvé la solution de cette manière, ça se fait en une seconde. À gauche et à droite dans le coffre, vous avez ces rangements qui sont fermés, une petite lumière à l'intérieur pour éclairer le contenant de votre coffre et aussi décrocher pour bien arrimer votre chargement. Vous pouvez en option pour 120 euros avoir une roue galette et aussi en option vous pourrez avoir le siège passager pliable. Au niveau de ses dimensions, il a une longueur de 4,15 m. C'est tout de même 15 cm de moins que le nouveau Peugeot 2008. Sur la largeur, c'est quasi identique par rapport à son concurrent. Il fait 1,76 m, c'est 1 cm de moins. Et sur la hauteur, là en revanche, il fait 1,60 m de haut, c'est 7 cm de plus que le Peugeot 2008, ça lui donne un côté un peu plus monospace que SUV. Et sur la balance, le poids est assez contenu, puisqu'il fait 1179 kg. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors, on a de la place à l'arrière, un empattement de 2,60 m, c'est assez standard pour la catégorie. Mais pour le coup, regardez, moi avec ma taille, j'ai mes genoux qui passent. Là, j'ai réglé le siège pour ma taille à l'avant et j'ai pas trop de problèmes. Alors bien sûr, de là à faire peut-être 1500 km derrière, je vous dis pas. Mais vous pouvez faire des plusieurs dizaines de kilomètres dans un confort assez appréciable. Et aussi une chose à noter, c'est que l'assise, même à l'arrière dans cette voiture, est très bonne, je trouve, pour sa catégorie. Sur le Renault Captur, j'avais trouvé que l'assise était un petit peu dure et à l'arrière, vraiment beaucoup trop dure. C'est pas le cas dans le Citroën C3 Aircross, donc là on retrouve les gènes de voitures confortables de chez Citroën. En option, vous pouvez avoir un toit ouvrant panoramique qui est facturé 850 euros. Vous avez aussi différentes ambiances intérieures avec des ambiances en tissu et en cuir qui sont respectivement facturées 350 et 700 euros. On notera aussi les motifs sur les sièges
Alors, c'est un peu triste avec ce gris et ce noir, mais c'est quand même relevé avec cette couleur beaucoup plus vive. Et sur les contre-portes, alors sur ces voitures dans cette catégorie, ne vous attendez pas à des finitions exceptionnelles. On est quand même sur des plastiques assez durs, mais avec ces rondeurs, on arrive à avoir quelque chose d'assez sympa. Un poste de conduite assez agréable, je trouve, au niveau du design et surtout très ergonomique. Les commandes tombent très bien sous la main. On a sur la gauche du volant la commande pour activer et désactiver le régulateur de vitesse. Vous pouvez en option avoir l'affichage tête haute pour 400 €. Alors ça vous indiquera la vitesse, les consignes du régulateur et limiteur de vitesse, les alertes de collision et les indications de navigation qui seront projetées en couleur sur une lame escamotable. Ce n'est pas le cas sur notre modèle d'essai. Et on a surtout beaucoup d'aides à la conduite dans cette voiture, comme le freinage automatique d'urgence, les feux de route automatiques, l'alerte de franchissement de ligne qui est déconnectable sur la gauche via le bouton que vous voyez. On a aussi le park assist, le coffee break alert ou encore l'aide au démarrage en pente. Bref, un véhicule à la pointe. La planche de bord est réussie, je trouve, notamment grâce à deux éléments. Le design des bus d'aération, assez atypique, et ce plastique moussé juste ici qui lui donne un côté assez cossu par rapport à ses concurrents. Ensuite, bien évidemment, on a l'écran du système d'infodivertissement qui fait une taille de 7 pouces. Il est tactile, c'est le Citroën Connect Nav. Et on a dessus le mirror screen. Également le Citroën Connect Box avec le pack SOS et l'assistance inclus. Concernant le système audio, on a 6 haut-parleurs et un kit main libre Bluetooth. Et en option, vous pourrez avoir le chargeur de smartphone par induction. On a des petits rangements pour ici, ici. Et là, vous avez pour recharger vos smartphones et autres tablettes. Une prise 12 volts à gauche. Votre levier de vitesse. Et ici, un frein à main, non pas électrique, mais mécanique. Avec un design assez atypique, on va dire. Je trouve ça un peu disgracieux. Mais bon, comme vous avez votre accoudoir pour le conducteur qui est juste là, vous vous en rendez même pas compte lorsque vous conduisez votre voiture. Pas mal de rangements à l'intérieur, avec par exemple juste en dessous de la planche de bord, ici un petit renfoncement avec une surface antidérapante sur laquelle vous pourrez facilement ranger vos clés ou encore mettre votre portable sans qu'il ne tombe à la première accélération. C'est bien vu. Juste en dessous, une très grande boîte à gants, très logeable, ça c'est assez rare, avec ici la possibilité de déconnecter l'airbag passager. Là où le C3 Aircross assomme la concurrence, c'est sur le confort de l'assise de ses sièges. Là, il marque clairement le pas par rapport au Renault Captur ou encore le Peugeot 2008. On se croirait presque dans une berline premium lorsqu'on roule dans cette voiture. Et à ce niveau de prix, il faut bien le noter. La finition que je vous conseille sur le C3 Aircross, c'est la finition Shine. C'est pas la plus haute, c'est celle juste en dessous, mais je trouve que c'est le meilleur rapport prix-équipement sur cette voiture. Avec le moteur essence 110 chevaux en Shine, elle est proposée par Citroën à partir de 22 400 € au catalogue du constructeur. Au niveau des émissions de CO2, 142 grammes de CO2 émis par kilomètre en norme WLTP qui s'applique à partir du 1er mars 2020. Donc vous ne paierez un malus écologique que de 150 € à l'immatriculation, ce qui est vraiment pas beaucoup. Il faut savoir que c'est une voiture en plus sur le marché de l'occasion qui a une très bonne cote et elle a aussi une très bonne valeur résiduelle. Donc ça lui permet d'être intéressante à louer en location longue durée, même très intéressante pour les professionnels. Si je prends l'exemple d'une 110 chevaux essence en finition Shine sur 36 mois, 45 000 km, soit 15 000 km par an, sans apport, elle ressort à 230 € par mois pour les professionnels et les entreprises. Et si vous êtes un particulier, elle ressort à 350 € par mois. Alors l'écart de prix entre la location longue durée pour les particuliers et pour les professionnels s'explique par le fait que pour les entreprises, les remises sont beaucoup plus importantes. Si vous souhaitez recevoir un devis de location longue durée sur cette voiture, allez sur notre site internet levendeurautomobile.com dans la page leasing, vous remplissez le formulaire et on vous enverra un devis précis.
Rien d'étonnant à ce que Citroën ait donné à sa C3 Aircross le même langage stylistique que les C3, C4 et C4 Cactus. Même le berlingot opte aujourd'hui pour ce design et ce ne sera pas différent pour les futurs modèles Citroën. La double rangée de phares, les formes arrondies, les accents contrastés, seuls les air bumps brillent par leur absence. Pour autant, on apprécie le coup de crayon tout en douceur qui accentue son côté sympathique. Sur la route, on note immédiatement la qualité de l'insonorisation du C3 Aircross. Quand j'avais essayé le Renault Captur, j'avais noté beaucoup de bruit d'air, beaucoup de bruit aérodynamique au-delà de 80-90 km/h. C'est beaucoup moins le cas sur le Peugeot 2008, un de ses concurrents directs. Et c'est encore moins le cas sur ce C3 Aircross. C'est quand même un très bon point, car on est souvent déçu dans ces voitures. Dépasser les 100 km/h, elles ont tendance à faire du bruit. Donc, excellente qualité pour ce Citroën C3 Aircross. Sur la tenue de route, on n'a pas la sensation de tapis volant comme sur la Citroën C3, à cause de la hauteur de la voiture qui nécessite une suspension raffermie pour contenir le roulis en virage. Mais pour autant, c'est une voiture qui prend vraiment bien soin de ses occupants et on n'est jamais surpris par le comportement de la voiture, même à très vive allure. Sur le freinage, il fait preuve d'une très bonne efficacité et même lorsqu'on sollicite la voiture de manière exagérée, on n'est jamais surpris par les réactions de la voiture sur les phases de décélération. Même si la suspension a été retravaillée sur l'Aircross, il ne brille pas par son dynamisme en conduite soutenue. Je l'ai véritablement apprécié à allure normale, où il sait se jouer des défauts de la chaussée. Vous l'aurez compris, ce Citroën C3 Aircross sera votre compagnon idéal dans vos déplacements quotidiens avec un rapport encombrement-habitabilité excellent. Et grâce à ses capacités routières indéniables, vous profiterez d'un confort assez rare sur une voiture de cette catégorie. Pas parfait ce petit SUV, mais bourré de charme. Les mouvements de caisse sont bien contrôlés dans ce C3 Aircross, sans nuire au confort, grâce notamment à ses suspensions. À l'arrière, on a une traverse déformable et à l'avant, on a un pseudo McPherson. Alors, le pseudo McPherson, je vous avais déjà expliqué ce que c'est dans l'essai du 2008. Pour ceux qui n'ont pas vu l'essai du 2008, la différence entre un McPherson et une suspension pseudo McPherson, c'est la jambe de force à laquelle a été rajouté un triangle inférieur. Et les deux grandes qualités du pseudo McPherson, c'est qu'il réduit les coûts de fabrication et qu'il baisse également le poids de l'essieu. Contrairement au nouveau Peugeot 2008 qui reprend la fameuse plateforme CMP pour Compact Modular Platform, le Citroën C3 Aircross, lui, reprend la plateforme de l'ancien Peugeot 2008. Et le grand problème de cette ancienne plateforme, c'est qu'elle ne peut pas accueillir une motorisation électrique, donc il faudra attendre la prochaine génération de Citroën C3 Aircross pour voir une version toute électrifiée. Une option à prendre si vous souhaitez vous aventurer dans de petits chemins, c'est le Grip Control. Alors attention à ne pas confondre avec l'Advance Grip Control comme chez Peugeot. C'est pas le même nom, mais c'est exactement la même fonction. En gros, le Grip Control, ça vous permet d'adapter la motricité des roues avant du véhicule en fonction du terrain rencontré. Vous avez 5 modes disponibles, standard, neige, boue, sable et ESP off. Là, par exemple, je vais prendre une petite montée grâce au Grip Control que j'ai enclenché. Et regardez, ça passe tout seul. Pour conclure l'essai de ce Citroën C3 Aircross, j'ai retenu parmi ses défauts une liste d'options encore longue, une contenance du réservoir de carburant en baisse et enfin une plateforme ne permettant pas l'installation d'une motorisation électrique. Heureusement, il a beaucoup de qualités et ça commence par de véritables qualités dynamiques, un excellent compromis confort, tenue de route et enfin une modularité très soignée. Les amis sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche, pareil sur notre compte Instagram Le Vendeur Automobile. Je propose maintenant des formations certifiantes pour les vendeurs automobiles. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao !